españoles. Franco ha muerto. Arriba España. Viva España. Voici notre plus beau souvenir. Le président du gouvernement, Carlos Arias Navarro, lisant un message laconique, probablement le seul qu'il ait jamais écrit lui-même. Franco venait de mourir. Il est mort au ralenti, tout comme son régime. C'était le 20 novembre 1975. Dans beaucoup de foyers, on a regretté sa mort. Mais dans d'autres, on a regretté qu'il ait mis si longtemps à disparaître. Nous, les antifranquistes, on a suivi sa mort à la télé et on lui a fait nos adieux au champagne. Tout était désormais devenu possible. Il nous a infligé 40 ans de dictature. Et en échange, il n'a subi que 40 jours d'une terrible agonie. Ça nous a suffi, en tout cas, pour réfléchir à ce que nous ferions après sa mort. La plupart d'entre nous, tout au long de ces 30 dernières années, nous avons choisi de l'oublier, sachant qu'un jour, il nous faudrait bien retrouver la mémoire. Españoles. Franco ha muerto. En réalité, quand j'ai étudié Franco à l'occasion du film que j'ai fait, je me suis aperçu de mon erreur. Franco n'avait pas vraiment l'envergure qu'on lui prêtait. C'était tout simplement, et je le dis tranquillement, un simple d'esprit. C'est-à-dire que notre terrible ennemi, tellement épouvantable, n'était qu'un simple d'esprit. Un homme d'une très faible intelligence. Oye, nena, ¿qué quieres decirle algo a los niños alemanes? Bueno, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, de España. C'était un authentique simple d'esprit qui, par un concours de circonstances, s'est retrouvé dans une situation qui s'est prolongée pendant des années du fait justement de son état. Ça me rappelle l'histoire de Mr. Chance, ce film célèbre où Peter Sellers joue une espèce de crétin qui finit président des États-Unis. Franco, c'était exactement pareil, puisqu'en arrivant au pouvoir, il a eu cette capacité qu'ont les hommes stupides à se faire entendre lorsqu'ils disent n'importe quoi. On dirait que ces hommes stupides attirent vraiment le pouvoir. Franco avait développé des qualités mineures. Et en même temps, il ne disposait pas des grandes qualités habituelles d'un chef d'État. Franco était sournois, malin. Franco était méfiant. Franco était habile. Bref, il avait les qualités d'un désespéré qui vit au jour le jour. Je crois qu'il avait ce sens très développé. Quiconque a dû lire ces interminables discours, ou pire encore, les écouter, devait se demander comment est-ce possible que cette personne soit devenue le dictateur d'un pays avec autant de pouvoir. Who hear this well to spread them all over the world. Country, religion,
family. This is agua en un tren. ¡Viva España! Je crois que Rasa est une autobiographie de Franco. Si nous cherchons quelques indices des névroses de Franco et de son obsession pour sa personne, le film Rasa en serait le meilleur exemple. Franco a écrit lui-même le scénario de Rasa, qui commence quelque part en Galice avec l'histoire de sa propre famille, à laquelle il donne un autre nom, bien sûr. Le père est mauvais, républicain, ivrogne et coureur de jupons. Il y a aussi un fils qui prend le mauvais chemin, Ramon Franco. Il y a le frère républicain qui est mort dans un accident d'avion, et il y a lui, incarné par Alfredo Mayo, qui ne lui ressemblait pas, mais qui était le comédien fasciste le plus séduisant du moment, avec sa petite moustache. No lo olvide todavía, Mauro, legionario de segunda de la 11 compañía. Il est surprenant qu'en 1941, en pleine guerre mondiale, avec un pays ravagé, détruit, affamé, divisé en deux, dans un moment extrêmement difficile pour la politique étrangère de l'Espagne, Franco ait trouvé le temps et l'envie d'écrire cette histoire, qui est le reflet sublimé de sa propre histoire et de celle de sa famille. C'est un matériel intéressant pour un psychanalyste, un scénario pour observer les fantasmes personnels de Franco. Enfin, avec ce film, Franco en profite pour embellir sa propre biographie. ¿Te quieres vendar? No, no es necesario. Entonces date la vuelta. No, me habéis de matar de frente. Como quieras. Apunte. ¡Arriba España! ¡Fuego! Tout commence avec un enfant incroyablement vulnérable, un enfant terriblement angoissé. Pour affronter ses propres angoisses, Franco crée une série de personnages à chaque fois plus sûrs d'eux, plus confiants en eux-mêmes, plus arrogants. Franco est comme un acteur qui croit au rôle qu'il interprète. Un acteur qui se prend pour Hamlet quand il joue Hamlet, qui se prend pour Othello quand il joue Othello. Ce qui se passait, c'est qu'il choisissait des rôles, et tous ceux qu'il choisissait sont ceux dans lesquels il avait le pouvoir absolu. Dès qu'il a eu le commandement, il a créé une image, le masque du héros du Rif dans sa lutte contre les rebelles marocains. Pendant la guerre civile, il en a créé une autre, une espèce de Cid du XXe siècle. Après, il a créé encore un mythe, une sorte de capitaine Numance, le héros qui a préféré mourir plutôt que de se rendre. Il croyait sauver l'Espagne d'une attaque extérieure. C'est-à-dire qu'il a forgé des masques successifs pour devenir le père du peuple, le bon père du peuple, jusqu'à la fin où il était devenu le grand-père de son Espagne à lui. Il faudrait se demander si derrière tous ces rôles, il y avait une personne consciente de les jouer. Probablement pas. Yo
Guernica, je l'ai découvert très tard, comme tout le monde ici. On n'en parlait pas ici. En France, oui, mais pas ici. La doctrine officielle était « il y a eu un bombardement organisé par les Rouges et les séparatistes, pas par les Allemands ». Tous ces gens de la génération antérieure à la nôtre ont des souvenirs vivants de ce qu'a été la guerre et le fascisme. Et je crois que depuis, ils se taisent. Parce que nos parents n'osaient pas évoquer ces choses à la maison. Même mon père, qui était du côté de Franco, n'en a jamais parlé à la maison. Il avait presque honte d'avoir été à la guerre. Nous n'avions aucune éducation sur ce que le franquisme avait commis. Nos morts, nos disparus, nos humiliations, rien. Tu étais obligé de te faire une idée en voyant les bombardements. On pensait de façon abstraite parce qu'il est très dur d'exhumer les os de nos ancêtres. Ce que je crois, c'est que la guerre civile est un deuil très difficile à oublier, très dur à digérer. Il n'est donc pas étonnant que la guerre de 36 et les 40 ans de dictature n'ont pas encore été acceptés par les Espagnols. La guerre civile, c'est plusieurs guerres. Une guerre de classe, une guerre de religion, une guerre de séparatistes, une guerre de nationalistes et de centralistes, une guerre de propriétaires terriens et d'ouvriers. Je crois qu'il y a plusieurs guerres dans une guerre civile. De quelle guerre s'agit-il quand l'armée se met à tuer des civils? Ce n'est pas une guerre, c'est un massacre, un coup militaire brutal. Quand la guerre s'est terminée, j'avais 5 ans. Un de mes premiers souvenirs, c'est celui d'un phalangiste dans les jardins de Saint-Sébastien. Il m'a soulevé
en disant « On a pris Madrid ». Et ça, je l'ai associé avec un béret rouge. Si quieres que empecemos nuevamente con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. C'était plein d'uniformes. Ça a été plein d'uniformes et de soutanes pendant de très nombreuses années. Quels sont les mécanismes d'adaptation d'un régime? Ce sont par exemple la peur. La peur peut faire que tu t'adaptes à un régime. La possibilité d'avoir un salaire, un travail, une forme de vie digne et confortable. Las leyes sindicales cumplen ya la promesa de Franco. Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan. Mon souvenir personnel, c'est une petite fille pauvre dans une ville pauvre, une ville vendue.